Hey, salut mes petites momies, c'est Théos. On se retrouve sur un jeu qui m'avait fait surkiffer en 98. Je l'avais joué à l'époque sur PlayStation 1, Resident Evil 2. Oui, bah, je suis sûr que c'est vrai, ok? J'ai vu ça de mes propres yeux. Oh, mais je vais essayer de me taire pendant les intros. Allez, raconte-nous, on veut tous les détails. Ok, donc, c'était vendredi soir dernier, alors que je rentrais du bar, et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Ok, dis la vérité, t'avais bu combien de verres dans l'histoire? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Et bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour mordre. C'est pas vrai, ça devenait intéressant. Je crois. On regarde ce qui se passe devant. Bam! Oh merde! Oh le scratch! Avec les cheveux et tout. Nickel! Je pense qu'elle est morte. Alors, moi je serais toi perso, je descends pas. T'es la Resident Evil, mec. Bon, j'étais pas censé le savoir, mais. Si, pas, si, toujours regarder où on va quand on conduit. C'est le conseil du jour de Théos. Un peu roulé sur une dame. Hein. Elle se relève, monsieur. J'aimais ça. Ça coupe direct comme ça. Ah, v'là l'héroïne. Ouais, je vais pas te calmer. Tu me connais, ça va aller. Ça marche. Je reviens dès que j'ai trouvé Chris. Compris, faut que je file. Pourquoi est-ce que tout le monde s'inquiète pour moi? C'était quoi ça? Moi je serais toi, perso, Et oh. Avec la bagnole de flic, tu te dis que le flic il peut y aller sans toi quoi. Ah ouais, déjà je joue avec la souris et le clavier, perso j'ai un peu de mal avec le joystick, j'ai essayé une fois. Avec la manette, j'ai tout mis à côté, je suis mort en 3 secondes. Eh oh? Eh oh, bonjour. Je kifferais Herb Ice Cream. De la glace à l'herbe. On se demande pas ce qu'ils ont fumé ici. Eh oh. Ouais, tu rentres et tout tranquille, alors donc t'as des traces de sang partout et l'autre elle rentre. Oh, tout va bien. Il y a une bagnole de flic. Est-ce que ça va? Il y a sans doute le gérant qui est en sang, qui a le carotide bouffé, tout. Pas par là, ok. Ici. Oh, pas de soucis, monsieur, merci. À quel moment tu te dis pas, je me casse en courant? J'explore un peu, hein, je précise. Bouge pas, je te dis. Excusez-moi, mais tout va bien? N'approchez pas, Ne t'approche pas de moi. Bonjour, je suis gentil. J'ai joué à côté, bordel. Il faut 3 balles pour les tuer, quoi. Ok. Je crois qu'il est mort. Alors, faut
que j'aille là. J'aime beaucoup la décoration du mur. Sérieusement? Ok, donc le mec, tu as mis 3 balles, il se relève, tout va bien. Cliquer sur utiliser. Utiliser la clé. Ça, c'était sûr. Et bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, les super-héros. Wow, tirez pas! Laisse-toi! Et lui, une balle, il le tue, quoi. Moi, il faut 3 balles dans la tête et le mec, une balle, tout va bien. Faut se tirer dessus. Il le tue, je sais pas comment on dit. Ça va? Ouais, je crois. Merci. Remercie-moi plus tard, si on s'en sort. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh ouais. Oh, oh mon dieu. Suis-moi. Monte. Accroche-toi. Accroche-toi pas. Oh si, accroche-toi. Mets ta ceinture, enfin, je ne les démarre pas si tu n'as pas ta ceinture. J'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Plus t'as pas vu Walking Dead ou quoi? Quoi? Des flics? Ouais. Léon Kennedy. Et toi? Claire. Claire Redfield. Claire, je sais plus comment elle s'appelait, l'héroïne. Tu vois? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Bah, une chance qu'on se soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. À mon avis, un petit peu le caca. Mais bon. Avis à tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville, nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat de police de Raccoon City. Des vivres et du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. Oh mon dieu, c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. D'accord, mais imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Je crois qu'on va devoir marcher. C'est pas le... Je crois qu'on va devoir marcher. Vu la tronche, moi perso, je descends pas de la bagnole. Tu marques un point. Oh la vache! Ah, il m'a fait trop flipper ce connard! Il faut que tu recules! Retour du camion. Ah, c'est du monde tout à l'heure. Oh putain! Oh merde! Oh merde! Ah oh, c'est le cas. Allez, vite! Je peux pas! Si je peux pas. Et ben voilà, c'est la fin de nos héros crevèrent écrasés par un camion. Je souhaite
Pas super. Désolé, messieurs-là, vous êtes morts. Ah, le cliché habituel du cinéma. La voiture tombe en panne, donc forcément, il y a un peu de ça qui coule et l'explosion classique. Ils sont pas blessés, rien que le souffle, la chaleur, tout ça, non, non. Tout va bien. Il pleut, mais qu'elle a moins chaud. Claire, ça va? Oui, ça va. Et de ton côté? De ton côté, ouais, ça va bien. Je peux pas rester ici, c'est trop dangereux. Oh merde. Pars tout seul. Elle est à moi, ça se voit. On se retrouve au commissariat. Ok, on va essayer de rejoindre le commissariat. Allez, faut pas que, je reste là. Ah putain, t'es pas con, toi, quand tu veux. Ah, c'est quand même vachement. Je peux faire monter, ouais, faut que je tourne là. Ouais, ça fait checkpoint. Hein. C'est vraiment comme dans le 2 normal, on va dire, de 98. Le commissariat. C'est une presque. Route à suivre et puis basta. On va passer par ailleurs. Limite, on s'arrête pas. Là, on va essayer de passer entre les deux. Non, c'est pas par là. J'ai fait choper le test les tous. Ok, bon. Nickel. Voilà le Raccoon Police Department. Explore le commissariat. Ok, bah ben y'a rien. Ah putain, munitions pour pistolet 6. Super. RPD. Allez, Chris. Elle connaît les mots de passe pour déverrouiller l'ordinateur. Elle est capable de tout, quoi, tranquille. Hop, elle s'est dézoomée. Enfin, zoomée sur la caméra 4. Il y en a à l'intérieur. David! Marvin! Vous m'entendez? On a un moyen de sortir! Tout est là-dedans! Envoyez des renforts! Dans le couloir est! Ah, elle s'est même happé la carte, quoi. La gonzesse, elle est pas flic, elle vient d'arriver, tout. Hop, c'est bon, j'ai la carte, j'ai le machin, tout va bien. Arme spéciale. Samouraï, machin, ok. Sans ça, je sais pas quoi en foutre. Ah, attends, il y a un truc là. Spray de premier secours. Ça va m'être super utile, je sens. Ah, c'est le tuto là. Ah, moi je serais toi, ma grande, je n'irai pas. Ah, et, putain, tu plonges à ça. Ah putain, tu plonges dans le sang, c'est dégueulasse. Coucou, y'a quelqu'un? Mais c'est le zombie. Je passe sous la porte et si jamais y'a un souci, je peux pas revenir. Là, il manque une pièce. Il y a de l'eau, donc là ce qui serait cool c'est qu'on mette de l'électricité. Respire, Claire. Ouais, respire, respire. Respire. Ouais, le mec a été tiré. Ah, super, j'allume la lumière. Là, il n'y a rien, il n'y a rien. Des munitions. Ça peut être utile, les munitions, je pense. On va trouver le mec, il est où?
pas là. La porte, elle est, bon, elle est condamnée, je peux rien y faire. Est-ce que j'ai loupé une autre porte? Là. Non. Faut une putain de clé encore à tous les coups. Non, c'est bon. Là, je repars. Les téléphones. Putain, il doit bien être dans le coin, le mec, quand même. Alors. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Non, pas par là, pas par là. Là, on voit rien. On rentre dans le bureau. Non plus. C'est où? Allô, monsieur le policier, t'es caché où? Alors, non, on repart. T'as déjà dès les 3 premières minutes du jeu, je suis paumé, quoi. Mais génial. Je peux toujours pas l'ouvrir. Est-ce que j'ai oublié de déclencher un truc? Je peux pas repasser en dessous, donc j'ai pas dû oublier ça, j'ai pas vu. Ça peut être con, hein, ça peut juste, j'ai zappé un truc. Y'a personne en plus, y'a pas de zombies, rien. Ah putain. Ok, ouais, logique, l'armoire qui est tombée, je peux la redresser. Horreur des chiottes dans les jeux d'horreur. C'est souvent là où t'as un zombie. Non. La bombe aérosol des chiottes. Oh, j'ai trouvé la bombe aérosol des chiottes. C'est bon, ça va pouvoir me soigner si jamais je suis attaqué. Ça aurait été fun qu'il y ait, je pense, une tête dedans. Ça aurait été marrant. Ok, donc c'est bien par là. Qui a été Oh mon dieu, ouais, putain. Il me faut une clé. Ouvrez-moi. Ah, ouvrez-moi vite. Ouvrez-moi. Ouvrez cette putain de porte. Déjà, tu dis s'il te plaît, ok, connard. Parce que. Voilà quoi. Ouvre-la. Donnez-moi votre main. Aide-moi votre main, mais qui est en premier, dans le calepin, t'es dans le calepin en dernier. Allez, hop, c'est fort. Donnez-moi le frein. C'est bon, je vous tiens. Tiens, ce sont des dents de la mer quand ils viennent de faire un magasin, c'est pas comment tu parles. Préviens Marvin. Je suis désolée. Ok, je préviens Marvin que t'as fini. Avec les poyaux et tout. Alors, trois trucs et des statuettes qui vont permettre d'ouvrir, passer par en dessous. Là non, là c'est crevé. Zombie, madame. Super, bonjour. On dirait des étudiants. Super, balle. Même de Resident Evil, je sais pas si c'est la même chose. Hein. Il vous manque des balles. On dirait le nouveau BR de Counter-Strike. J'ai pas bouffé. Bonjour, le gros pain sur le cul. Come on.
Ouais, très mal fait par contre. La giclette, la petite giclette de sang, elle est pas super bien faite. C'est fini. Toi, tu m'as l'air en mauvais état, monsieur. Marvin Brana. Chantez, Marvin, vous allez bientôt mourir. Merci. Merci, tu vas mourir. T'as appris à te défendre, on dirait. Ouais, disons que je sais me débrouiller. Bien. Vous pouvez vous laver la main, s'il vous plaît? Vous avez pas du gel hydroalcoolique avant? Donc, c'est un peu dégueulasse. Est-ce qu'on sait ce qui a causé tout ça? Il y a pas mal de théories. Mais tout ce dont je suis sûr, c'est que cet endroit est infesté de zombies. Ouais, j'ai vu ça. C'est très 90, hein. 90, hey, on aimait bien les jeux avec les zombies. On sait jamais. Je vais pas traîner ici. Juste le temps de retrouver Chris. T'es vraiment la sœur de Chris? Oui. Pourquoi? Vous avez quelque chose? Ah, en fait, le mec que je viens d'éclater, c'est ton vacances. Frère. Ah. En Europe, je crois. Depuis quelques semaines. En vacances? C'est une bonne nouvelle. En vacances, en train de me dire, connard, que j'ai fait tout ça pour rien. Apparemment, il y aurait un moyen de sortir. Ouais, par ce passage secret, là. Super. Hé. Hey. On devrait vous emmener à l'hôpital. Non, non, non. T'en fais pas pour moi. Ouais, je peux me débrouiller. Je vais crever dans pas longtemps. Allez, dites pas de bêtises. Il vous faut bien. Cher. Il faut que tu sauves ta peau. Ça va être le côté mélo du truc. Que tu puisses revoir ton frère. Tiens. Tiens, tu vas avoir besoin de ça. Tu vas avoir besoin je de ça. Je crois en toi. Super, non, pas couteau. Question que je prenne ça. Et vous... Sois prudente. Sois prudent. Si tu croises d'autres de ces choses, peu importe qui ils étaient, tu dois pas hésiter. Tu les si tu peux. Sinon cours. En fait, cours, c'est la meilleure explication. Hein. C'est grosso merdo. Soit tu cours, soit tu te fais niquer la gueule. Parce que les balles, après, t'en as plus. Et les couteaux, je l'ai perdu une fois dans une partie, dans la tête d'un zombie.